Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous voir ici. On va commencer cet échange entre La Martinière et du coup MVRDV. Et je vais laisser la parole à Nicolas Lang, qui est le directeur du Pôle France, donc de l'agence parisienne de MVRDV. Nicolas, si vous pouvez me dire juste si vous arrivez à partager votre écran. Parce que je crois qu'il faut que je vous... Ah non, c'est bon, ça va. Je pense que c'est bon. C'est bon, ça fonctionne. Parfait. Non, eh bien, on voit très bien, on voit votre écran, donc il n'y a aucun problème. Je vous laisse, je vais couper mon micro, je vous laisse commencer. Et deux petites recommandations avant de commencer. Les gens qui sont présents, n'hésitez pas à allumer vos caméras. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Et aussi, donc on a préparé, enfin Nicolas a préparé une belle présentation qui va durer un bon 45 minutes. Donc on va peut-être dépasser vers les 1h, 1h15. J'espère que... N'hésitez pas, si vous avez d'autres impératifs, à vous éclipser. Et merci encore, Nicolas, de faire cette présentation. Bon, de rien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Hélène, d'avoir en tout cas proposé cette initiative. Voilà, en tout cas, ça nous fait très plaisir de pouvoir en tout cas partager notre expérience, partager nos visions. Échanger ensemble. Ce qui compte véritablement, voilà, c'est ce partage, d'autant plus qu'en fait, initialement, voilà, nous sommes véritablement néerlandais. Maintenant, on est devenu franco-néerlandais puisque nous sommes physiquement maintenant à Paris. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir partager cette vision des différentes cultures, qui finalement voit en fait se synchronise énormément sur plein de points. Et en tout cas, ce partage, en tout cas, je le trouve assez important, surtout d'autant plus aujourd'hui, avec les étudiants, etc. Vraiment, l'idée, c'est le partage. Donc effectivement, n'hésitez pas par la suite à noter plein de questions et à me les poser. Je sais que c'est pas forcément facile quand on est par visio, etc. L'échange peut parfois paraître plus complexe, mais véritablement n'ayez pas peur, soyez ouverts, on est d'accord. Alors je vais vous partager du coup ma présentation. Hop, alors vous me dites si vous la voyez ou non. On la voit. Voilà, c'est bon pour vous. Alors. Par contre, oui. N'hésitez pas à me dire si à un moment donné la présentation coupe, parce que parfois avec les problèmes de connexion Internet, des fois ça peut couper, donc n'hésitez pas à me le dire de façon à ce que je redémarre le partage. Ok. Bon, MVRDV, voilà, nous sommes en fait une société d'architecture en fait qui adorons innover, on essaie d'être le plus réaliste possible et durable, avec toujours cette vision de travailler dans un monde en perpétuelle mutation.
Ça, c'est totalement notre slogan qui nous permet, en tout état de cause, en tout cas, d'essayer d'avancer. Où finalement, on se rend compte que même si aujourd'hui, on a plus de 25 ans d'existence, on se rend compte que finalement, cette expérience nous permet, en tout cas, d'avancer. Aujourd'hui, peut-être en quelques mots pour présenter l'agence. Hein, l'agence a été créée par trois fondateurs, hein, Winnie, Jacob, Nathalie. Voilà, les initiales ont formé le nom de la société. Voilà, notamment Winnie qui est assez connue, en tout cas dans les pays francophones, parce qu'il parle le français, etc. Donc, c'est aussi assez bien aussi pour échanger avec tous nos partenaires et clients, et tout le monde en tout cas, lors des différents échanges. Et puis aujourd'hui, la société a tellement grandi, voilà, qu'il y a différents associés, donc ça c'est aussi intéressant. Ce qui est important, c'est de regarder, vous savez, ce fameux ADN, cet ADN qui fait qu'à un moment donné, nous savons que nous sommes MVRDV, et ça c'est véritablement essentiel. Aujourd'hui, on travaille un peu dans différents pays, donc bien sûr à Rotterdam, hein, voilà, on est vraiment situé, mais on est implanté à Paris maintenant depuis 2018, donc ça c'est vraiment intéressant, et puis on est implanté également à Berlin depuis maintenant plus d'un an, et à Shanghai maintenant plus de 12 ans. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que finalement être proche en tout cas de tous nos partenaires, que ce soit les villes, les écoles, les aménageurs, les projets, les chantiers, etc. Mais le fait d'être local, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus actifs, beaucoup plus proches, en tout cas continuer ce partage perpétuel. Aujourd'hui, voilà, on travaille un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est intéressant. On a développé pas mal de projets où finalement, j'ai pour objectif par la suite de vous présenter un peu nos ambitions, mais peut-être en introduction, voilà un peu nos champs d'action. Voilà, on travaille aussi bien sur l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, en tout cas plein de thématiques, le script, les nouveaux matériaux. On aime beaucoup, en tout cas, communiquer. On aime beaucoup, en tout cas, participer également à des installations et à publier également notre travail, parce qu'on considère que ça, c'est véritablement une chose qu'on se doit de faire. Parlez-moi tout ça. Au-delà d'être architecte, ce qui nous intéresse également, c'est de pouvoir faire des recherches, pouvoir travailler sur des expositions ou autres. Et c'est ce pourquoi, en fait, on travaille également avec la Wild Factory. Donc, c'est quelque chose qui a été créé avec Unimal, c'est l'école d'architecture de Delft. Enfin, où finalement, c'est un pôle recherche en partenariat avec l'agence qui nous permet, en tout cas, de tous les ans, poser une question. Et au travers de ce partage avec les étudiants, ce qui est intéressant, c'est que finalement, nous arrivons à sortir des ouvrages très régulièrement, nous permettant d'exposer ces visions qui peuvent être parfois sur du court terme ou sur du très long terme. En tout cas, ce qui est vraiment très intéressant, c'est en tout cas de tester, d'expérimenter, d'interroger voilà, la ville, la fabrique, mais aussi les paradigmes urbains. En tout état de cause, voilà, c'est quelques thématiques que nous avons déjà en tout cas publiées, très intéressantes, que je vous conseille de lire, voilà, comme Green City Calculator, etc., ou Peak City, où il y en a plein d'autres, bien évidemment, en tout cas comme Green Deep, etc. Enfin, en tout cas, ce sont des thématiques qui sont très, 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 très importantes. Voilà. Un sujet que j'aime beaucoup, c'est cette image qui est très simple, mais en fait, c'est totalement dans notre ADN, c'est dans notre culture, et ça qui est aussi intéressant, c'est à un moment donné comment questionner le projet. Voilà, comment questionner la ville. Et en fin de compte, on peut voir, ça c'est un exemple très concret hein, qu'on a développé en Ile-de-France, où finalement, sur un site identique, un PLU identique, un programme identique, finalement, on se rend compte que finalement, on peut avoir plein de projets différents. Et nous, l'idée, finalement, c'est véritablement de questionner le projet et d'arriver avec plein de propositions dès qu'on développe un projet et qu'on les présente, bien évidemment, à des élus, à nos clients, etc., à tous les partenaires avec qui nous travaillons. Et l'idée, c'est tout le temps d'essayer de re-questionner le projet pour aller de l'avant. Ça, c'est véritablement le point le plus important, où à partir de là, du coup, on vient créer des questions. Finalement, quand on vient apporter différents projets, on vient apporter différentes réponses. Du coup, les gens posent des questions. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on questionne indirectement le projet. Et finalement, le projet, petit à petit, qu'un effet entonnoir se réduit à quelques projets pour finir un projet final, au travers, en tout cas, d'un processus de travail que l'on a en interne. Alors, bien sûr, on peut travailler sans 3D, sans maquette physique, sans maquette numérique. Voilà, on a l'impression 3D ou autre, ou même parfois avec des bouts de schéma, voilà, ou des bouts de maquette en mousse très simple. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est voilà, ce partage qu'on met en place avec l'ensemble de nos partenaires, où finalement, on n'arrive jamais avec un seul et unique projet. Et puis voilà, on développe nos projets en full BIM, donc ça c'est aussi des points très importants, voilà, tout numérique, on travaille finalement beaucoup les images, mais finalement aujourd'hui les images sont bien sûr présentes pour les concours d'architecture, mais finalement ce qu'on aime bien aussi c'est développer la réalité virtuelle, telle qu'avec Enscape par exemple, où à un moment donné ce qui est très intéressant c'est dès qu'en fait on modifie la maquette numérique automatiquement, vous pouvez voir les volumétries qui se dessinent, et ça c'est quand même assez important. Néanmoins, par rapport à tout ça, en fait, on essaie de pousser le sujet véritablement à fond, vraiment voilà, développer le numérique au sein des projets. Alors notamment, on a développé avec MVRDV Next en interne, en tout cas, voilà, différents programmes, différents scripts nous permettant en tout cas d'aller de l'avant.
essayer de paramétrer au maximum en fait les projets en fonction bien évidemment des contraintes d'un projet. Ça peut être aussi également les contraintes d'un client, telles que l'économie, ou également les contraintes d'une entreprise par rapport à des dimensions ou autres, des contraintes par rapport à des fournisseurs. Et ce qui est très intéressant, avec des logiciels qui viennent s'adapter avec Revit ou d'autres, bien évidemment, et bien du coup, on vient voilà, structurer ces informations qui. Tableau pour même aller. Qui s'appelle The Valley, un projet assez intéressant qui fait comme 75 mètres carrés, moitié bureau, moitié logement avec une grande partie activité. Au final, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a tout calpiné à tel point qu'à un moment donné, ben voilà, on a calpiné les façades en pierre, voilà, qui ont été préfabriquées en usine et on est venu du coup les poser. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi dans cette continuité-là, on a aussi préfabriqué une partie des façades aussi sur les éléments béton, une partie des planchers, grâce en fait à toutes les contraintes qu'on a mis en place dans les algorithmes et du coup, ça nous a apporté des solutions. Ce qu'il faut savoir, en fait, en conclusion, ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, l'outil numérique n'offre pas une contrainte, mais il permet surtout, en fait, de favoriser, en fait, une rationalité, l'un des thèmes majeurs, qui nous permet, en tout cas, d'aller de l'avant pour offrir quelque chose de différent ou pousser les concepts d'une autre manière. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je sais que beaucoup d'architectes se disent « le numérique contraint le projet ». Je pense qu'en fait, le numérique participe, en tout cas, à l'évolution du projet, tel qu'un simple croquis à la main parfois montre beaucoup plus de choses en fait, que les beaux détails dessinés à l'ordinateur. Donc, ce qui est très intéressant, c'est pour en tout cas partager toutes ces méthodes de travail qui ont pour finalement un seul unique but, en tout cas, développer le projet. Et puis, c'est également un sujet qu'on a développé sur le projet de Lyon-Pardieu, voilà, pour l'intégralité de ses façades, où à un moment donné, quand on a commencé à chiffrer le projet avec les entreprises, finalement, on n'avait pas rentré dans le budget du client. Donc, à un moment donné, on a vraiment traité ses façades en prenant le concept de base. On l'a réinterprété, re-questionné par rapport à différentes contraintes de tout le monde. Et du coup, après, par la suite, on est venu développer. Alors, le projet de Lyon-Pardieu, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, parce que, évidemment, vous êtes à côté. Mais en tout cas, ça faisait partie des projets également de son novateur tel qu'on a développé par ici. En tout état de cause, voilà, vous avez compris un peu peut-être nos méthodologies de travail, etc. Peut-être qu'il y aura des questions par la suite. Mais en tout cas, nous avons différentes ambitions. En tout cas, on en a plusieurs, on en a plein. Voilà, et on a véritablement envie de développer une ville qui soit plus végétale, une ville qui soit plus lumineuse, une ville sur mesure, une ville qui respecte l'héritage, une ville qui soit toujours à l'échelle humaine, mais également une ville qui soit toujours vivante et attractive. Et pourquoi pas plus ouverte, mais également plus frugale, c'est très intéressant, mais également plus artistique, plus intense et pourquoi pas plus vite. C'est des thématiques que je vais vous développer par la suite, voilà, telles que celle-ci, par exemple, la ville plus végétale. J'aime beaucoup ce projet. Voilà, la serre des Cils et Moulineaux, c'est un projet qu'on développe, on est assez fiers, ce qu'on a déposé le permis de construire la semaine dernière, c'est un projet voilà, de logement, voilà, il y a un peu, environ 200 logements. Sujet très intéressant où finalement, voilà, on vient y mettre pour le trois quarts, en fin de compte, environ 75% du projet en logement accession et puis 25% du projet en logement social, où finalement l'idée est toute simple, l'idée de venir finalement y intégrer le concept de la maison, son jardin et le chemin qui mène tel que cette représentation. Et donc l'idée, ben voilà, c'est de venir y mettre entre guillemets voilà, cette grille qui puisse finalement intégrer différents volumes, intégrer des énormes terrasses, puisqu'en fait on a pour objectif d'y intégrer plus de 13 mètres carrés de terrasses moyennes par appartement. Ça, ce sont des espaces que je qualifierais d'espaces privé, mais en fait, quand on additionne en fait les espaces privés et collectifs, on arrive en fait à une surface par appartement d'un peu plus de 22 mètres carrés par appartement. Ce qui fait que c'est très intéressant parce que finalement, bah, le concept de la maison, son jardin et le chemin qui mène, bah, oui, on habite une verticalité, mais par contre, on habite voilà, ce grand jardin, je veux dire, avec au travers d'une très grande terrasse où on vient de s'additionner des espaces dits de partage, tels que la fenêtre urbaine ou le rooftop en toiture, mais également, en fait, on vient intégrer à chaque fois des bacs à plantes, voilà, où chacun pourra y planter ses légumes, ses fruits ou autres, et où nous, parallèlement à tout ça, on viendra y planter énormément de végétalisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le programme de végétalisation représente environ 10% du coût total travaux, ce qui est, pour être très sincère, totalement exceptionnel.
Et puis parallèlement à tout ça, en fait, on vient créer des escaliers dans cette double peau, des escaliers finalement où là, on permet aux gens de sortir de leur appartement, d'accéder à leur terrasse, de prendre un escalier et d'aller sur un autre espace, tel qu'un espace de partage, tel qu'ici la fenêtre urbaine, ou monter directement sur le toit. Donc, c'est véritablement en fait un bâtiment, qui se veut totalement social, même si à un moment donné, voilà, ce sont des logements, je dirais, en accession ou sociaux. L'idée, c'est de mixer tout ça et de fabriquer, entre guillemets, une ville dans une ville. Ça, c'est vraiment un sujet, une thématique qui est très intéressante. On a développé, comme je disais, le permis de construire, on l'a déposé la semaine dernière. En tout cas, on a pour objectif de démarrer ce chantier l'année prochaine. Et puis voilà, ce projet également, tel que The Valley, que je vous présentais tout à l'heure, qui est également... Voilà, sur ce concept toujours de la rationalité, mais également de développer le végétal sur ses façades avec des énormes bacs à plantes, où l'idée, là, on est vraiment sur un sujet de très, très, très grande qualité, également dans la continuité, en fait, du projet des Silimono, où l'idée, c'est vraiment de développer une grande diversité, et où finalement, je vous ai déjà parlé, donc, tout ce qui était de la rationalité. Donc, en tout cas, ça, c'est également un point qui est majeur. Un autre sujet très intéressant. Il s'agit ici de la piscine olympique, un concours que nous avons réalisé pour les Jeux 2024. Un sujet très intéressant. Nous avons fini deuxième, nous n'avons pas gagné. Néanmoins, nous en sommes assez fiers, parce que finalement, nous sommes à côté du Stade de France. C'est un projet qu'on a développé avec un constructeur, un co-architecte qui s'appelle BVL. Et à partir de là, en fin de compte, on est venu habiter ce terrain qui était existant, qui était recouvert de végétation. Et finalement, on a décidé de venir habiter cet espace en venant soulever, en fin de compte, le terrain, mettre en place un drapé où finalement, à l'intérieur, on vient y glisser la piscine olympique. Voilà, donc ça, c'est un sujet qu'on a eu fort, en tout cas qu'on a véritablement aimé, où l'idée, c'était que finalement, cette toiture soit totalement accessible, ou du moins une grande partie, pour les habitants, ou du moins pour les gens qui venaient, en tout cas pour les JO. Où l'idée, c'est qu'on avait un véritable évédère, en tout cas, qui venait sur le quartier, et notamment dans la prolongation du Stade de France. Nous avons aussi pour ambition d'avoir une ville qui soit beaucoup plus lumineuse. Sujet très intéressant, ici on est à Bordeaux, à la ZAC d'Ostinienne, un projet qui est en cours de développement, où il y a environ 350 000 m², où il y a environ 90% de logements, c'est en tout cas la programmation principale. On peut voir ces bâtiments qui ont des formes très, très particulières. Et tout ça, en fait, pour une raison très simple. Alors, nous sommes à Bordeaux, nous sommes devant la Garonne, qui est juste devant ici. Très intéressant, où finalement, on est venu maintenir toutes les voies existantes. Il y avait beaucoup de rails de chemin de fer, etc. C'était surtout une zone où on venait stocker des trains. Et donc, du coup, on est venu extruder tous les îlots. Et puis, à un moment donné, par rapport à ça, on s'est dit, mais finalement, comment est-ce qu'on pourra porter à quelque chose où on va penser aux habitants, penser aux futurs utilisateurs. Et on s'est dit, finalement, on va essayer. D'été. C'est-à-dire qu'à partir de là, on prend chaque îlot, on met une ligne à 45 degrés. Et du coup, l'idée est véritablement d'avoir un maximum de lumière, mais y compris pour les rez-de-chaussée. En fait, c'est véritablement là le point de force. Et donc, du coup, on est venu mettre ces solstices d'été, mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques mois, en fin de compte, tu vois, plus de ces 2 heures d'ensoleillement qu'on souhaitait véritablement pour tous les logements. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas y mettre tout simplement le solstice d'hiver. Comme ça, on est sûr qu'à partir de là, tous les logements, y compris au rez-de-chaussée, auraient un maximum de lumière. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que finalement, ça nous permet aussi de développer des logements où finalement, on a très peu de façades verticales, on travaille beaucoup les toits. Ça, on commence déjà à l'amorcer. On peut voir l'intégralité des îlots, donc il y en a plus de 126. Donc ça, c'est très intéressant, parce que l'idée, c'est aussi que chacun des architectes, chaque architecte puisse travailler sur un îlot pour créer aussi une variété architecturale dans ce plan urbain. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est qu'à un moment donné, on voit qu'il y a aussi des bâtiments existants. On va venir, du coup, les étendre, y mettre en place des extensions. On va pouvoir en réhabiliter certains, mais du coup, on vient également les densifier, mais tout en maintenant cette échelle très humaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des bâtiments où finalement on est venu les couper, comme simplement une pyramide, sur 4 côtés, etc. Non, là, c'est beaucoup plus fin, c'est qu'en fin de compte, on est venu travailler l'étude de la lumière du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire, le soleil, ça va à l'est pour se coucher à l'ouest. Donc, en fonction, de l'apport lumineux et en fonction de l'angle du soleil, on est venu découper les bâtiments, nous permettant ainsi d'avoir ces volumétries idéales
pour pouvoir donner un maximum de lumière aux futurs habitants. Et ce qui est très intéressant, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a très peu de façades verticales et du coup beaucoup de toitures qui sont travaillées. L'un des points majeurs, bien évidemment, bah, c'est de développer un maximum de végétalisation. Ici, on est quand même sur une densité assez importante puisqu'on est entre guillemets entre deux et trois fois plus végétalisé que la rue la plus végétale de Bordeaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous avons développé également avec le maire. Donc, voilà, vraiment l'idée, c'est de pouvoir végétaliser ces espaces et du coup éviter les îlots de chaleur. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, finalement, on peut voir ici les premiers bâtiments qui sortent, où finalement, voilà, on voit ces bâtiments à l'échelle humaine, où finalement, on vient du coup habiter les toits et du coup, on vient habiter autrement, en tout cas, les bâtiments. Donc aujourd'hui, c'est un projet voilà, qui a démarré, voilà, qui a pour objectif d'être terminé d'ici 2030, mais en tout cas, on peut voir certains projets qui s'y développent. Et puis également, on a une ambition où en fait, on aimerait faire également une ville sans mesure. Voilà, c'est un sujet également qu'on développe à Caen, un projet sur 600 hectares, un sujet totalement colossal. Voilà, on est sur la presqu'île de Caen, le projet s'appelle la Grande Mosaïque, on peut voir tout cet espace. L'idée, c'est de venir habiter le bocage. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a bien évidemment repéré toute la biodiversité, tout ce qui s'y passe, etc. On a essayé de différencier les différents espaces, structurer les différentes limites entre le privé et le public, pour finalement arriver à aussi des bâtiments qui soient totalement à l'échelle humaine pour totalement habiter le bocage. Voilà des bâtiments qui se développent entre rez-de-chaussée, R+5, R+6, mais en tout cas, voilà vraiment véritablement à l'échelle humaine où là, du coup, on peut véritablement profiter de tous ces espaces. Où en plus, on vient intégrer en fait des usines existantes qui sont de type Céveso, où on vient les intégrer dans un paysage totalement global. Et puis également, nous sommes pour une ville voilà, qui respecte l'héritage. Sujet très intéressant, le sujet de la Gaîté Montparnasse à Paris, c'est un sujet aujourd'hui qui est en chantier. Un projet très intéressant, parce que se situe à côté de la Tour Montparnasse, on est à côté de la gare Montparnasse, où finalement, voilà, on a pour objectif de restructurer le centre commercial existant, de réhabiliter la Tour Pullman, voilà, où il n'y a plus de chambre d'hôtel, et également y intégrer un bâtiment de bureau qu'on peut voir sur la gauche, un bâtiment de logement sur la droite, ainsi qu'une librairie et une crèche. Donc, du coup, on vient superposer, je dirais, les échelles voilà, par rapport à cette restructuration, réhabilitation et où on vient également étendre tout le programme. Donc, c'est un sujet très intéressant où finalement, ben, le temps est très présent parce que c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler depuis 2008 voilà, et où le chantier a démarré en 2018. Donc, il y a eu quasiment 10 ans d'études nous permettant en tout cas voilà, d'arriver in fine au projet final et de démarrer ces études où le chantier a pour objectif d'être livré d'ici Noël environ. Et encore une fois, voilà, l'idée, c'est sur des chantiers qui sont aussi beaux que celui-ci, c'est à un moment donné ben, voilà, d'offrir une rapidité d'exécution. Voilà, et aussi, on aura environ 3 ans de chantier. Donc, finalement, là, on est venu y intégrer des logements, 70 logements sociaux qui sont totalement en bois, voilà, préfabriqués de bois, hormis le noyau central qui est en béton pour les questions de structure, de stabilité du bâtiment. Mais néanmoins, tous les planchers sont en bois, façade bois, etc. On vient recouvrir le tout aujourd'hui. Voilà, de différents matériaux qui seront en tout cas posés prochainement. Voilà. Autre point très intéressant, le projet du Palais du Commerce de Rennes. Ça, c'est un projet que nous avons porté récemment, voilà, où on a pour objectif de réhabiliter ce magnifique bâtiment tel qu'on peut le voir ici sur la droite. L'idée, véritablement, c'était de respecter totalement cet héritage, mais également de pouvoir donc, voilà, venir totalement restructurer à l'intérieur, en tout cas sur les parties qu'on pouvait totalement restructurer, réhabiliter, et où finalement, on venait également y ajouter une extension telle qu'on peut voir ici sur le bâtiment à gauche. On est associé avec l'architecte des Moulins, et où finalement, on est venu voilà, interpréter les choses, on est venu venir inciser légèrement le bâtiment pour pouvoir en tout cas y venir y connecter différents éléments architecturaux tels que voilà, ce grand escalier monumental, mais également créer la connexion entre le bâtiment existant et le bâtiment futur, où nous travaillons également avec le Hanner, l'artiste que vous connaissez sûrement. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, ce qui est très important, c'est que quand nous avons des bâtiments de cette qualité-là, il est très important voilà, de venir le respecter, de venir voilà, y toucher au minimum, et puis en tout cas peut-être y intégrer quelques interventions à des endroits majeurs. Voilà. On peut voir ici voilà, notre rue, en fait, quand on vient restructurer, réhabiliter en ajoutant énormément de végétalisation, on vient également habiter les arcades. Ici, qui aujourd'hui est un espace totalement ouvert, l'idée c'est de pouvoir créer des porosités, des moments aussi d'étapes, en tout cas de seuil, pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Voilà.
Un autre point, également à Paris, un autre bâtiment que j'aime beaucoup, qui est tout petit. Là, on est vraiment sur une petite échelle. Voilà, on est sur la boutique Etam, on est à Opéra, dans le 9e arrondissement à Paris. C'est une boutique relativement simple. Derrière nous, il y a les Galeries Lafayette. Voilà. Mais on est dans le prolongement de l'Apple Store, au travers de ce bâtiment magnifique, avec une magnifique rotonde, très haute, d'environ 6 ou 7 mètres d'hauteur sous plafond. Et où on avait un objectif à l'intérieur, c'est que finalement, notre client nous demandait en fin de compte d'habiter le sous-sol, hein, puisque finalement, il avait pour objectif, en tout cas, de pouvoir y vendre de la lingerie. Et donc, du coup, comme il disait, ben, voilà, pour pouvoir être bien dans un bâtiment ou dans un magasin, ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de lumière naturelle. Et donc, du coup, ben, sur ce bâtiment absolument magnifique, voilà, on est venu tout simplement nettoyer. On est venu curer l'existant. On est venu enlever toutes les parties qui avaient été, en tout cas, je dirais, qui avaient abîmé le bâtiment. Il y avait précédemment eu des interventions faites par différents architectes qui étaient venus bétonner, je dirais, ce bâtiment. Donc, du coup, on est venu le curer, le nettoyer, le rendre son état d'origine. Et où, finalement, tous les éléments qu'on est venu rajouter étaient rajoutés au travers d'éléments en verre. Et d'être tel qu'on peut le voir ici, où finalement, quand on arrive sur ce bâtiment, ce magasin, on voit ce magnifique plancher en verre. Alors, vous allez me dire, bien évidemment, mais comment c'est-il qu'on puisse faire un plancher en verre, parce qu'à un moment donné, on peut voir sous les jupes des femmes. Alors, c'est tout là où, finalement, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on peut voir cette lumière qui rentre et du coup, cette porosité, cette transparence qui donne envie, en fait, de descendre et de parcourir la boutique. Mais néanmoins, en fait, on a développé un produit avec des Japonais, qui s'appelle Montec, où finalement on a mis un film qui se place en fait à l'intérieur du verre. Alors, il y a différentes couches de verre qui permettent de rendre ce verre structurel. Et en fait, entre la couche structurelle du verre et la couche sacrificielle, qui est la couche d'usure, où là on a mis l'antidérapant, on est venu intégrer ce film, permettant finalement, en fonction de l'angle, au travers de petites ailettes qui sont à l'intérieur microscopiques dans le film, de soit créer un blur, enfin, en tout cas un flou, soit de créer une transparence. C'est un peu peut-être le film que vous avez peut-être sur vos iPhones qui vient protéger en tout cas vos écrans par rapport à vos voisins pour pas qu'ils regardent à l'intérieur ou en tout cas des feuilles, enfin des films que vous mettez sur vos écrans d'ordinateur. C'est un peu le même principe, sauf que là on l'a fait à l'échelle XXL. Et en tout cas, c'est très impressionnant où finalement, on arrive dans ce volume. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce flou, en fait, fonctionne des deux côtés. Tant quand vous arrivez, c'est-à-dire que vous avez le flou qui vous suit, donc du coup, vous n'avez pas la peur du vide. Et ça, c'est quand même très important. Et finalement, également, dans les deux sens, où quand vous êtes dessous, vous ne pouvez pas voir sur les yeux des femmes. Et ça, c'est quand même assez essentiel. En tout cas, voilà, notre client a pour objectif d'y faire environ venir 10 000 personnes par jour. Donc, en tout cas, on en est assez fiers parce que du coup, ça fonctionne assez bien. Et du coup, voilà, on arrive en tout cas à donner l'image que souhaitait en tout cas notre client, qui était de faire son flagship, son magasin drapeau dans le monde pour en tout cas y montrer la magnifique lingerie. Voilà, où il a fait la Fashion Week fin septembre l'année dernière. Donc, voilà, donc on était assez fiers. Un autre sujet très intéressant concernant l'héritage, hein, voilà, c'est ce magnifique bâtiment du Concordia, alors que tel que je le vois là, c'est le bâtiment existant. Hein, voilà, on peut voir ce bâtiment qui sent déjà très beau, mais qui était muré à certains endroits. Donc du coup, voilà, c'était vraiment un bâtiment qui était vraiment dans un état très complexe. Et finalement, pour le réhabiliter, le restructurer, du coup, pour financer tout ça, cette magnifique opération, on a vu une extension. Voilà, on peut voir l'état d'avant, l'état d'après. Voilà, ce qui est très important, c'est qu'on peut voir qu'on a réhabilité magnifiquement ce bâtiment. Voilà, on lui a rendu son âme de l'époque. Voilà, où finalement, on est venu l'étendre, lui faire une extension. Voilà, mais en réinterprétant toujours le bâtiment existant au travers du bâtiment où on y a mis en place l'extension. Donc, c'est aussi ça, nos interventions, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir des bâtiments très forts, très puissants. Mais ce qui est très intéressant, c'est toujours créer ce paradoxe en disant toujours en mettant en valeur le patrimoine. Voilà. Et ça, du coup, je dois dire que ça fonctionne très bien. On en est assez fiers. Où finalement, tout à petit, le bâtiment vient se désagréger, où finalement, on voit ces grands espaces vitrés. On peut découvrir aussi des graphes qui sont mis à l'intérieur, qui ont été développés avec différents artistes, tels que Frog ou d'autres. Et où finalement, en toiture, on vient intégrer différents espaces, tels que des rooftops. Voilà, pour en tout cas y profiter et passer de magnifiques soirées. Voilà. Un autre sujet, tel que la Crystal House à Amsterdam, un sujet absolument magnifique. On est un peu sur l'équivalent de, je dirais, la rue Saint-Honoré à Paris, voilà, très chic, très importante, où il y a beaucoup, beaucoup de clients qui passent, beaucoup de gens. Et où finalement, on nous avait demandé de venir, voilà, de,
réhabiliter ce bâtiment, mais aussi lui trouver une image de marque tout en apportant un maximum de transparence entre la rue et l'intérieur du bâtiment. Et donc, à un moment donné, on a beaucoup cherché en fait, à se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait apporter ce petit truc en plus qui fait qu'à un moment donné, le bâtiment, il dit « waouh ». Donc, à un moment donné, on a été voir l'ADF parce que c'est quand même voilà, une rue qui est classée, etc. En tout cas, l'équivalent de l'ADF aux Pays-Bas. Et on a dit, voilà, est-ce qu'on peut changer la dimension des trams, des ouvertures? Est-ce qu'on peut changer les ornementations? Est-ce qu'on peut changer, enfin, voilà, plein de choses par rapport à ce bâtiment? Et à chaque fois, en fait, la réponse a été non. Voilà, donc du coup, on s'est bien creusé les ménages et à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas réinterpréter la matière et finalement changer chaque brique de terre cuite par une brique de verre? Et donc, du coup, on a mis en place ce système où finalement, on a réalisé un scan 3D de la façade. Voilà, on a totalement démonté la façade et on l'a reconstruit à l'état d'origine, mais en y intégrant uniquement des briques de verre où, à un moment donné, il y a un phénomène d'évaporation qui s'est mis en place. Et donc, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, nous avons un système qui permet d'offrir une magnifique transparence. On réinterprète la monnaie nature de la façade et où, finalement, d'un point de vue technique, on a développé des briques avec des Italiens où chaque brique de verre a été collée avec des briques, avec de la colle, je dirais avec des colles de type de dentiste pour les dents, avec à l'UV. Donc, ça peut-être, je dirais peut-être pas le chantier le plus propre du monde, mais en tout cas, c'était l'un des chantiers totalement extraordinaires où finalement, il ne fallait pas de poussière pour pouvoir coller tout ça et tout a été collé sur site. Et franchement, je dois dire que le résultat est assez impressionnant, surtout quand on est à l'intérieur, on voit l'extérieur où finalement, on a tout un motif de pixels qui se met en place. Et là, je dois dire que c'est, on en est en tout cas assez fier. Un autre bâtiment aussi concernant l'héritage qui s'appelle Frosilo, c'est deux silos magnifiques. C'est aussi peut-être des thématiques qui vont se développer en tout cas prochainement, enfin qui se développent déjà, hein, parce qu'il y a beaucoup de ports qui sont dans les villes, mais en tout cas des bâtiments voilà, qu'on peut réinterpréter, qu'on peut réutiliser. Et on pourrait même parler peut-être d'upcycling en tout cas, où là on est véritablement dans un deux silos voilà, qu'on pourrait réinterpréter. En tout cas, c'était l'idée de base de notre client qui est venu à un moment donné nous appeler en disant bah voilà, deux silos magnifiques, on va faire quelque chose de très simple, on va faire des ouvertures sur cette magnifique coque, y intégrer des planchers à l'intérieur pour y faire du logement. Donc, on s'est dit bon, bah, ok, pourquoi pas, un magnifique projet, tout. Mais à un moment donné, on leur a dit avant de commencer la moindre étude, on va faire appel à un ingénieur pour vérifier en fait la faisabilité technique du projet. Et notamment veiller à vérifier si la coque du bâtiment en fait, est assez résistante pour pouvoir y intégrer créer des perçants pour les ouvertures et intégrer des planchers. Et en fait, il s'avère qu'on ne pouvait pas le faire hein, tout simplement parce qu'à un moment donné, on ne pouvait avoir que 8% des façades. Donc, du coup, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va inverser le système et du coup, on va poser les logements à l'extérieur. À travers, voilà, comme ça, on était venu préfabriquer, poser et greffer des logements à l'extérieur. Et où finalement, à l'intérieur voilà, de ce magnifique vide en fait, de la coque, on est venu y intégrer les circulations verticales et les circulations horizontales du bâtiment. Et donc, du coup, on a un peu créé le Guggenheim voilà, pour ces logements. Donc, c'est assez magnifique, où finalement, on est protégé à l'intérieur, hein, où il y a une toiture en ETFE qui a été mise en place, où du coup, on a cette magnifique lumière qu'il y avait à l'intérieur, où finalement, aujourd'hui, les 8% en fait, d'ouverture de la coque sont liés bah, tout simplement à des créations de portes pour pouvoir intégrer, enfin, pour pouvoir rentrer dans les logements ou par rapport à différents éléments techniques. En tout cas, je dois dire que là, c'est une très belle réinterprétation du patrimoine et même de transformation du patrimoine, voilà, même de réversibilité, on pourrait même l'a déjà évoqué. Et puis, nous avons différentes ambitions aussi également, telles que voilà, une ville à plus à l'échelle humaine, voilà, telles que l'Igloo de l'Octroi. Voilà un projet qui est en chantier aujourd'hui. On est sur du logement accession et du logement social. Ce que j'aime beaucoup sur ce bâtiment, c'est que là, on arrive prochainement à la fin du gros œuvre. Ce que j'aime beaucoup, c'est finalement, voilà, là, on développe des appartements avec une très grande hauteur sous plafond, on est quasiment entre 2,90 m et 3 m d'hauteur au lieu des 2,50 m habituels. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est aussi à un moment donné offrir voilà, des grands volumes aussi dans les logements, mais également de grandes terrasses très généreuses avec énormes bacs à plantes livrés en même temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les terrasses sont au même niveau qu'à l'intérieur de l'appartement. Il n'y a pas de marche pour ne pas lier à des problématiques d'étanchéité, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a assez bien traité. Mais notamment, là où on est également très fiers, c'est aussi la matérialité. Voilà. On a aussi pour ambition, d'une manière générale, de limiter l'impact carbone sur nos bâtiments. Et donc, pour limiter l'impact carbone sur nos bâtiments, c'est d'essayer d'utiliser, par exemple,
un des points clés, peut-être utiliser moins de métal. Et donc là, du coup, on est venu utiliser de mettre une métallité telle que la céramique, de la terre cuite, qu'on vient mettre en façade, où l'idée, c'est vraiment de réutiliser cette matière, la terre, qu'on vient poser sur des façades. Ce qui est très également intéressant avec ce type de produit, c'est que finalement, ça demande très peu d'entretien dans le temps. Et donc, du coup, on pense aussi également à la maintenance, et notamment la maintenance qui va sur du long terme, mais du coup, très peu d'investissement également pour les futurs habitants. Donc, c'est aussi des choses auxquelles il faut toujours penser dès qu'on vient travailler, en tout cas, des façades. Pensez toujours également à la pérennité des bâtiments. Où là, on peut voir, en tout cas, ce qui est très intéressant, tous ces logements avec des magnifiques terrasses. Vraiment, là, on sent véritablement qu'il fait bon y vivre. Et ça, c'est chouette. Totalement dans la même continuité, dans la même veine, mais interprété d'une manière différente. C'est le projet de la Vallée Verte à Bordeaux, également dans la ZAC Bastignelles, où finalement, on a ces trois bâtiments. Voilà, là, on est sur 75 logements. Où finalement, ici, 75 logements, mais on est venu également intégrer un parc 3D à l'intérieur. Voilà, je dirais un énorme cratère végétal. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est trois bâtiments qui représentent 70 logements, donc environ 25 logements par bâtiment, sont découpés par cette sphère, par ce cratère, où on vient y planter énormément de végétation au travers de pots, où tous les pots seront alimentés depuis les parties communes en eau, etc., de façon à pouvoir en tout cas avoir un bâtiment qui évolue aussi dans le temps avec toujours cette végétation très forte. Voilà, où finalement également il y a tout le système d'entretien de maintenance qui a été mis en place, également travailler très finement avec le client. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est très important, c'est aussi de penser à la livraison de son bâtiment et surtout y penser à long terme, voir comment est-ce qu'il va vieillir. Et on est également sur la même thématique d'essayer d'avoir ici des façades en terre cuite. Voilà, on est ici sur des tuiles tant en toiture qu'en façade, et on a essayé de développer également avec notre partenaire Parraine et Charpente, où là on est en chantier, des sujets de préfabrication également de façades, où là les façades arrivent par camion et du coup les façades vont être posées très rapidement. Là on a pour un objectif d'environ de poser toutes les façades en 2 mois. Donc ça c'est plutôt chouette. Et là on peut voir ici une première partie du chantier, on peut voir cet homme cratère qui commence à évoluer. Voilà, il reste encore 3 étages à construire, mais en tout cas on a un objectif de livraison d'ici un an environ. Et puis, nous avons toujours une ambition, une envie en tout cas d'une ville qui soit toujours plus vivante et plus attractive. Voilà, tel que le Market Hall ici. Ce qui est très intéressant sur ce projet, c'est qu'on vient y intégrer, au travers de cette magnifique arche, 2 bâtiments de logement parallèles. Voilà, on nous avait demandé à l'époque de faire 2 bâtiments parallèles avec un petit marché couvert d'une hauteur de 7 mètres de haut. Et puis nous, finalement, on est venu réinterpréter les choses différentes en disant, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait un marché couvert de 37 mètres de haut, sachant que je dirais peut-être qu'au Pays-Bas, il pleut peut-être un peu plus qu'en France. Et donc, du coup, on s'est dit, mais finalement, pourquoi est-ce que ce toit qui est imposé à 7 mètres, on ne va pas le mettre en toiture, on va le mettre tout en haut, dans le prolongement des logements, de façon à pouvoir offrir un maximum de lumière à l'intérieur de ce marché couvert. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit, finalement, on va faire quelque chose de très simple. Ces 2 barres parallèles de logement, on va les réunir au travers d'une arche en y rajoutant des logements, où finalement les logements vont former un toit, et du coup on va offrir un magnifique marché couvert où finalement on a plus de 35 mètres de hauteur sous plafond, permettant d'offrir un espace totalement incroyable à l'intérieur du volume, où de chaque côté, en fin de compte, ce côté, vous pouvez le voir, on a des raquettes de tennis, ces fameux caps tendus, on est venu poser des plaques de verre, où finalement, à l'intérieur, en fonction de la pression du vent sur les parties, bien sûr, qu'on a à l'extérieur, en fonction de la pression du vent, il y a un mouvement de la façade en verre qui peut aussi d'environ 40 cm, et en fonction de la pression du vent, l'air passe à l'intérieur, mais du coup, à l'intérieur, on ne sent pas le vent. Et on a une acoustique absolument magnifique, puisqu'en fait, toutes les tôles, toute la façade intérieure a été micro-perforée, où on a ce magnifique dessin également qui a été mis en place, tel que, avec beaucoup de fruits et légumes, tel qu'on peut le voir. En tout cas, c'est un espace en 600 bien. Voilà, un bâtiment de 90 mètres de long, avec une hauteur sous voûte, de 35 mètres, où on peut voir cette lumière absolument magnifique. Et ce qui est très intéressant, c'est que la reine des Pays-Bas, le roi et la reine sont venus, en tout cas, inaugurer ce bâtiment. Et aujourd'hui, ça fait partie un peu du tour de Rotterdam. Dès qu'on vient visiter la ville, on vient forcément voir ce bâtiment et en tout cas y prendre un verre dès qu'on peut, dès que le Covid sera terminé, en tout cas. Mais voilà, c'est un moment de partage qui est assez exceptionnel, tel qu'on voit ici sur la photo. Et puis,
Voilà, on a développé également un bâtiment qui s'appelle The Boyman, le dépôt. Voilà, c'est un musée d'art, pardon, c'est un musée, c'est un dépôt d'archives. Voilà, très intéressant, d'art contemporain, qui a environ 150 000 œuvres d'art hein, qui seront stockées à l'intérieur. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on nous demande de fabriquer un dépôt, généralement, les gens imaginent un hangar. Voilà, un hangar où on est très sécurisé, on vient pour toutes ces œuvres sont magnifiques. Et donc, du coup, là, on a essayé ben, voilà, de faire quelque chose d'assez social, parce que finalement, on a essayé en tout cas d'ouvrir ce bâtiment à tout le monde, à tous les gens qui veulent le visiter, pour pouvoir également ben, le parcourir, voilà, malgré que ce soit le fait qu'on ait créé un bâtiment assez sécurisé pour pouvoir stocker ces bâtiments, et en tout cas, y offrir également un rooftop où chacun, tout le monde en tout cas, peut accéder, aller au restaurant et partager un moment assez vraiment véritablement emblématique. Donc ici, on est dans, en fait, on est au sein du jardin de l'architecture. Donc c'est dans un endroit très magnifique. Il y a Rem Koolhaas qui a construit plein d'autres architectes. Et l'idée, c'était de fabriquer un bâtiment également qui puisse réfléchir l'ego des autres architectes et non en tout cas disparaître dans l'environnement. Et donc, pour pouvoir accéder sur ce rooftop, en fait, on a décidé de faire un méga atrium avec de grands escaliers, etc., totalement vitré, où finalement, on peut en tout cas parcourir cet atrium et visiter une partie des œuvres d'art qui ne sont pas forcément visibles au premier sens du terme, je veux dire ce qu'elles sont rangées, mais parfois certaines sont visibles. Mais en tout cas, on pourra voir une certaine partie en parcourant. Donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, bah, on n'est pas obligé de payer, je dirais, pour voir tous ces éléments. Mais finalement, ce qui est bien, c'est que voilà, on monte et on vient ensuite recouvrir le rooftop qui permet en tout cas d'avoir une vue magnifique. Et au travers, en tout cas, de ces espaces, il y aura aussi une partie qui sera en tout cas visitable, où les gens pourront en tout cas voilà, explorer certaines parties, mais également apprendre, parce qu'également à l'intérieur, il y a 6 climats différents, 6 climats qui nous permettent en tout cas de protéger les différents types d'œuvres d'art, tels que des statues, des tableaux, ou des papiers, des manuscrits, etc. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, on a développé également différentes thématiques et qui nous permettent véritablement, enfin, en tout cas, d'offrir un bâtiment assez complet où chacun puisse s'y retrouver, partager plein de choses et profiter en tout cas de l'espace. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, ce bâtiment dans sa finalité. Voilà, très ouvert étonnamment sur la ville, contrairement peut-être au programme initial, très ouvert avec un lieu de partage voilà, où vraiment on a essayé de faire un bâtiment le plus social possible pour que tout le monde puisse en tout cas y profiter au maximum. Et puis nous sommes également voilà, pour une ambition où les villes doivent être également offrir quelque chose de vraiment très frugal, où là on a travaillé sur un projet à Dijon, très simple, très minimal, voilà, où on est venu intégrer dans ce volume. Très simple, un poteau dalle. On est venu intégrer des éléments tout simples en bois, quelques planchers, quelques escaliers, pour que les étudiants puissent venir y travailler d'une manière relativement s'imposer voilà, sur ces espaces extérieurs absolument magnifiques. On peut voir la végétation. Et aussi, à un moment donné, construire des bâtiments ou participer à des réhabilitations, voilà, c'est aussi à un moment donné travailler au minimum pour pouvoir créer des espaces totalement extraordinaires où en fait on se sent bien d'y être. C'est également le sujet qu'on a développé à Paris sur le Push Lab, un bâtiment de bureau assez important, où là l'idée c'est un bâtiment de 200 mètres de long, donc un bâtiment très imposant d'un point de vue urbain, et où finalement là on s'est dit bah, peut-être que la force de ce projet c'est de pouvoir y venir faire un bâtiment très simple, où finalement on ouvre une magnifique fenêtre urbaine pour pouvoir offrir un espace urbain très intéressant, offrir également des vues qui traverse l'îlot, parce que c'est aussi ça, à un moment donné, les points importants où les voisins puissent le parcourir, avoir des vues, avoir des transparences, mais également, grâce à ça, en fait, en fin de compte, à cette déformation du bâtiment qu'on propose, offrir une caractéristique d'accueil, où je dirais qu'il y a un tout petit peu de folie qui permettent en tout cas de se dire « Waouh, c'est là l'entrée du bâtiment !» Et à un moment donné, on a créé cet effet un petit peu très intéressant, waouh, mais tout dans un esprit de rationalité, d'efficacité ultime. Et également, un point très important, on est sur ici une façade en bois. Le bois, c'est toujours une matière qui est très complexe à travailler. Quand je parle tout à l'heure de la maintenance, ce qui est très intéressant, c'est que bah, là, on est venu prévieillir le bois. On est venu de façon à ce qu'il soit bien traité, qu'il vieillisse correctement. Mais on a vu travailler très finement la question de l'eau. La question de l'eau, c'est également un sujet qui fait qu'à un moment donné, le bois travaille plus ou moins bien. Et aujourd'hui, en fin de compte, après 7 ans ou 8 ans après avoir réalisé ce bâtiment, on se rend compte qu'il n'y a plus de coulure. Le bâtiment vieillit très, très bien. Et ça aussi, ce sont des choses auxquelles nous devons tous, en tout cas, faire très attention. Et puis, ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est développer ben voilà, la thématique artistique des villes. C'est à un moment donné, par exemple, tel qu'ici, je le présentais tout à l'heure à Rotterdam, voilà, ils travaillent des artistes, ils travaillent de rendre des choses totalement
incroyable, perceptible, mais également tel que Concordia ici, où on travaille beaucoup avec ces artistes qui nous permettent d'avancer, d'offrir quelque chose de différent, mais également ici, tel que le projet qu'on a développé aux États-Unis, voilà, Glace Murale, voilà, on est venu en tout cas à travailler avec différentes personnes pour pouvoir habiter cet espace, habiter ce bâtiment et en tout cas l'offrir à la ville d'une autre manière. On a également aussi, on a pour ambition d'avoir une vie toujours plus intense, voilà, tel que le Grand Paris ici, sur quelque chose en fait que nous avons travaillé, notamment la thématique, l'une des questions majeures, c'était le logement. Et en fin de compte, on s'est aperçu au travers de différentes recherches, différents développements, etc., qu'on pouvait résoudre la question du logement en Île-de-France en faisant une chose toute simple, en venant rajouter environ un niveau sur chacun des bâtiments de Paris. Et du coup, en fin de compte, on pouvait résoudre la problème du logement. Il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui est possible. Alors, oui, il y a les PLU, oui, il y a tout un tas de règles, mais en fait, ce que très peu de gens savent, c'est qu'en fait, il y a Napoléon qui a créé une loi en 1901 qui permet à chacun des bâtiments d'offrir en tout cas un niveau supplémentaire pour pouvoir répondre à des questions de densité. Alors, il faut savoir que très peu de gens, personne en fait l'utilise, parce qu'aujourd'hui, il y a des questions de copropriété, etc., c'est très compliqué. Mais néanmoins, il faut savoir que c'est une loi qui existe toujours, où finalement, on peut répondre à cette contrainte du logement en rajoutant un seul et unique étage. Et donc, du coup, ça donne des choses très, très intéressantes, parce que finalement, si on commence à dessiner des choses, on peut se rendre compte que sur ces magnifiques bâtiments, peut-être tout simplement en prolongeant la forme des bâtiments existants, on peut y intégrer d'une manière très discrète ces étages supplémentaires, donc c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Ce sont des choses qui peuvent être également préfabriquées, qui peuvent être très légers, qui viennent s'intégrer sur des copropriétés. Mais également, la grande question, c'est également le cadre juridique par rapport aux copropriétés. C'est généralement là où ça bloque. Donc, ce n'est pas toujours simple, mais néanmoins, c'est intéressant de savoir qu'il y a des possibilités très intéressantes de pouvoir venir, en tout cas, densifier une ville. Et puis, des fois, il y a aussi d'autres sujets. Il y a les bâtiments privés, mais également les bâtiments, je dirais, publics, tels qu'ici une école, ouais, où finalement, sur les PLU, parfois, c'est un peu plus simple. Et du coup, on pourrait, pourquoi pas, y rajouter 1, 2, 3, 4 étages, où finalement, ces bâtiments pourraient devenir plus denses. Donc, c'est aussi toujours la question en lien, aussi de la question de l'héritage, où finalement, l'héritage d'un bâtiment, est-ce qu'on ne peut pas venir l'étendre, lui faire des extensions, des réhabilitations ou autres, ou à un moment donné, ce qui est bien, c'est de mixer le contemporain, mais également l'héritage. Voilà la question du temps finalement qui se met toujours en place au sein d'une ville, au sein des bâtiments. Voilà. Et c'est un exemple très concret, par exemple, tel que l'on a mis en place à Didon Village, à Rotterdam, voilà, où on est dans cette ville, à Rotterdam, elles sont magnifiques. Voilà, on est venu à un moment donné à la demande d'un client qui voulait en tout cas s'étendre sur le toit, il lui a proposé cette magnifique maison. Alors oui, qui détonne, je vous l'accorde, mais pour la petite histoire, c'était assez rigolo, c'est qu'on a déposé ce permis de construire. Voilà, eh bien, en fait, on n'a pas mis la teinte, on a imprimé le permis de construire en full black and white, on a mis simplement la référence de la couleur et à un moment donné, voilà, on est venu construire ce bâtiment et la ville, quand elle a découvert qu'on avait mis du bleu, ils étaient très surpris, ils ne s'attendaient pas à ça parce qu'on a mis un code et non pas la couleur bleue, on n'a pas nommé le mot bleu. Donc, comme quoi, finalement, et parfois, il y a parfois certaines astuces juridiques qui nous permettent en tout cas d'avancer, de proposer autre chose. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que dès que le ciel est bleu à Rotterdam, c'est magnifique parce que le bâtiment disparaît totalement. En tout cas, on a essayé de proposer ici, pour nos clients, un univers totalement incroyable, permettant de profiter de ce magnifique, magnifique espace, tel qu'on peut le voir ici. Et puis également, voilà, on est sur une ville également plus piétonne. Voilà, j'arrive bientôt à la fin de ma présentation, je sais que le temps passe vite. Voilà, on a pour ambition, par exemple, voilà, de développer des projets tels que celui-ci, voilà, Sky Garden, un projet incroyable. Là, on est après-guerre, en Corée, après 1950. On peut voir cette image, cette perspective qui est quasiment la réalité. Voilà, c'est un projet sur lequel nous avons travaillé, notamment sur une partie de l'autoroute qu'on peut voir ici. Alors, elle n'est pas totalement construite en totalité, mais voilà, où on est sur cette partie-là, où finalement, 50 ans après la construction de ces autoroutes après la guerre, en fait une partie de ces infrastructures était en train de tomber en morceaux, donc du coup en fait ces infrastructures n'étaient plus utilisables par des camions, plus utilisables par des voitures, donc du coup elles s'est transformées petit à petit en voie piétonne. Et donc du coup il y a eu un concours d'architecture pour pouvoir essayer de réinterpréter mais également restructurer cet ouvrage d'art qui vient connecter différents endroits de la ville au travers d'une gare. Et donc du coup ce qu'on a proposé en fin de compte, c'est ce magnifique projet, voilà, qui fait un peu plus d'1 km de long, mais finalement, le concept était très simple. C'était d'y mettre
L'arboretum, en fait, du pays de la Corée à Séoul, voilà où ici on a développé plus de 25 000 variétés de plantes différentes du pays qu'on a dû mettre dans ce projet, où finalement on est venu voilà, analyser toutes les choses, etc. On a travaillé avec un paysagiste de manière très fine pour pouvoir y travailler aussi la temporalité des saisons, la temporalité des couleurs, etc. Et où finalement, bah, cette infrastructure voilà, est devenue piétonne, où finalement on met le piéton à la place de la voiture, où finalement les gens peuvent profiter de ces différents espaces, où on peut partager, on peut y créer des activités, tout en ayant un espace totalement atypique, et où finalement peut-être que la ville de demain, c'est aussi retransformer des infrastructures, peut-être d'une autre manière, telles que la High Line à New York, mais également telles que d'autres sujets qui pourraient arriver aussi bien en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. En tout cas, ce qui est important, c'est toujours créer ce lien social entre les gens dans les projets urbains, projets d'infrastructure, mais également dans les bâtiments. Un autre sujet très, très, très que j'aime beaucoup, c'est celui projet de la haie. On est sur totalement en fait la question du temps, la temporalité, où finalement on vient même révéler la vie. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait il faut savoir qu'aujourd'hui la ville de La Haye telle que celle-ci, alors j'ai plusieurs images que je vais vous montrer avant-après, voilà où en fait on vient réinterpréter la ville ou même on vient la révéler. Pourquoi? Parce que La Haye, ben, vous savez, les Pays-Bas c'est un pays en fait qui en majorité, enfin, qui a 25% du pays qui est sous le niveau de la mer, voilà 55% du pays qui est inondable, et donc il y a tout un système de canaux et de fossés en tout cas qui permettent de drainer l'eau et en tout cas de la faire remonter ailleurs pour pouvoir en tout cas habiter naturellement, je dirais, les villes. Il faut savoir que les Néerlandais travaillent l'eau quand même depuis le 11e siècle. Hein. C'est vraiment des gens qui travaillent l'eau, qui essayent de vivre avec pour éviter en tout cas différentes catastrophes. Et néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la ville de La Haye, à un moment donné, en fait, il y a eu des choix politiques qui ont été faits qu'à un moment donné, bah, voilà, ils ont décidé de boucher tous les canaux. Et aujourd'hui, en fait, ils se rendent compte que finalement, c'était peut-être une erreur et qu'il serait peut-être intéressant enfin, de révéler ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire de remettre ces canaux en place tels qu'ils étaient auparavant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, bah, voilà, peut-être que c'est aussi intéressant d'enlever la voiture et d'y mettre finalement les canaux pour pouvoir peut-être y développer des transports. Bien évidemment, peut-être pour faire le dernier kilomètre pour transporter des marchandises, parce qu'on sait que c'est un plat où finalement on consomme peut-être le plus de CO2, mais finalement on peut y faire également des activités sportives. Mais en tout état de cause, ça permet aussi de créer du lien social. Et on peut voir voilà, toutes ces différentes rues qu'on va retravailler. Alors, bien sûr, ça prend un peu de temps, bien évidemment, pour remettre ça en place, mais ce qui serait très intéressant, c'est voilà, essayer de remettre en place la ville, la révéler, mais intégrer également une biodiversité, recréer en fait tout ce monde qu'il y avait auparavant pour resserrer aussi des liens sociaux entre les différentes personnes qui habitent en tout cas la ville et en tout cas pour pouvoir également la revivre naturellement. Et puis on est également très intéressé par l'ambition très forte qui est de toujours avoir une ville toujours plus ouverte. Et notamment, par exemple, ici, alors c'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais faire en France, parce que c'est une bibliothèque, voilà une bibliothèque totalement verte. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut savoir, en tout cas, faire des projets par rapport aux contraintes. C'est aussi les contraintes qui font le projet, et c'est ce qui est très intéressant. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant de ce bâtiment, c'est quoi? C'est un bâtiment très simple, un peu comme une grande halle, voilà, tout en bois, une charpente en bois. On est venu mettre énormément de panneaux de verre pour pouvoir habiter l'espace. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, par exemple, en France, parce qu'il y a. Il fait trop chaud, etc. Il y a beaucoup plus de lumière, mais néanmoins, voilà, on vient profiter de cet espace de manière totalement naturelle. Et puis, on est venu y mettre un meuble très intéressant, un meuble en forme de serpent, voilà, qui tourne sur lui-même. Et à un moment donné, voilà, on vient y créer différents espaces pour les étudiants, pour les gens en tout cas qui viennent y bouquiner, y travailler. Et du coup, ben voilà, ça offre une magnifique visibilité sur la ville tout en créant un maximum de liens sociaux pour l'intégralité des villes. Et puis je finirai par le projet Lapardieu, projet très intéressant, voilà, que vous connaissez tous, bien évidemment, un projet colossal, voilà, qui arrive prochainement, il a une échéance, puisque nous allons livrer prochainement la deuxième partie du bâtiment au mois de juin et la dernière partie en fin d'année. En tout cas, on est très fiers d'avoir participé à ce magnifique bâtiment où, en fait, l'un des enjeux majeurs, c'était aussi, ben, à un moment donné, la question, encore une fois, toujours peut-être de la réinterprétation du bâtiment existant. Voilà, le bâtiment existant, tel qu'on peut le voir ici, il est très important. Voilà. Mais c'était également un bâtiment, ben, voilà, qui est devant la gare, qui, en fin de compte,
était provoqué en fait un mur, si je peux le dire ainsi, entre guillemets, qui ne ferait en tout cas pas beaucoup de transparence, pas beaucoup de porosité vis-à-vis dans la ville dans la ville. Et du coup, l'idée, c'était véritablement de créer, en fait, c'était en tout cas une des ambitions que nous avions avec notre client, d'essayer d'ouvrir ce centre commercial vers la ville. Parce que généralement, ce type de bâtiment, ils ont toujours été conçus de la même manière, toujours de manière introvertie. Et du coup, là, on a vraiment proposé de l'ouvrir sur la ville, à tel point qu'on s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, utiliser le toit comme un espace public. D'où toutes les lignes que vous voyez ici, où l'idée, c'est de venir habiter les toits. Voilà, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter, même si le toit reste propriété privée, n'est pas un espace public, en tout cas, n'appartient pas à la ville. L'idée, c'est que notre client puisse l'offrir d'une manière, enfin, toute la ville en permanence, voilà, selon certains horaires, bien évidemment, mais en tout cas, l'offrir à la ville. Et du coup, de venir habiter les toits, où on vient, en tout cas, y accéder au travers de différents accès, au niveau de différents parvis. Parallèlement à tout ça, ce qui est très intéressant, c'est au-delà également de venir restructurer et détendre ce bâtiment, l'idée c'était véritablement voilà, de venir végétaliser cet espace. On est venu y ajouter plus de 7000 m² de végétalisation, dont plus de 2000 tonnes de terre à l'intérieur. C'est un espace, en tout cas, la Pardieu, c'est un quartier qui est très complexe en termes d'infrastructures. Il y a beaucoup de réseaux dans tous les sens, beaucoup d'infrastructures dans tous les sens, et ce qui se superpose en fonction de différents niveaux. Et du coup, voilà, l'idée, c'était en tout cas de limiter les effets de chaleur, les îlots de chaleur, tout en apportant un maximum de végétation, en jouant sur les épaisseurs de terre en fonction des possibilités. On est vraiment densifié à fond et on est venu poser, travailler très finement en fonction de mettre un maximum de grosses notes de terre pour développer des grands arbres, des fois des endroits de manière un peu plus fine, de façon en fonction de la reprise de charge des structures, mais en tout cas à venir habiter au maximum ces espaces et offrir un maximum d'espaces végétalisés. Et il y avait également un autre sujet très intéressant, c'était, voilà, pardon, et donc du coup on peut voir ces espaces futurs qui vont être livrés prochainement, notamment cette partie-là devrait être accessible normalement à partir de début juin, mi-juin, c'est en tout cas l'objectif. Donc en tout cas on fait tout pour, voilà, où il y a beaucoup d'espaces extérieurs, beaucoup de jeux qui vont être offerts, en tout cas sur cette toiture, où on aura en tout cas véritablement un vrai lieu de vie, et où l'idée c'est aussi d'y intégrer en fait l'art à l'intérieur, où on essaie de travailler avec l'École des Beaux-Arts de Lyon et le MAC, hein, de façon à ce que aussi les gens puissent profiter de ces espaces. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va essayer de développer avec nos clients eBay. En tout cas voilà, vraiment l'idée d'offrir un véritable espace public sur, je dirais, un toit qui est privé. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, on peut voir toutes les vues qui sont liées par rapport à tous les différents bâtiments de grande hauteur qui sont déjà présents ou qui vont venir dans un futur proche ou lointain, mais en tout cas habiter cet espace de manière véritablement je dirais idéal, hein, voilà, où on puisse en profiter en permanence. Et puis une autre thématique, hein, au travers de ce bâtiment qui est très intéressante, c'est celle du recyclage. En fait, on peut voir ce bâtiment existant, voilà, on peut voir l'ancienne photo, on peut voir ce motif qui est existant, voilà. Et on s'est dit finalement, mais l'idée n'est pas venir de supprimer les façades et de rajouter une façade. On s'est dit, mais finalement, ce motif est très intéressant. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le réutiliser, le réinterpréter à notre manière pour pouvoir justement offrir une ouverture, en tout cas, de ce bâtiment qui s'ouvre, en tout cas, vers la ville. Et on s'est dit, ben voilà, on va essayer de le travailler de manière finement pour voir comment est-ce qu'on pourrait le réinterpréter à notre manière et pourquoi pas venir le coller sur du verre. Et donc, c'est très intéressant parce que là, du coup, on vient coller du béton sur du verre. Donc, c'est un point de vue technique, c'est assez complexe. Mais néanmoins, on a réussi à trouver la technique. On est venu le préfabriquer, on est venu poser, notamment sur ces grandes lanternes qui sont ces grands espaces d'accueil, hein, voilà, qui permettront aussi en parallèle d'accéder, en tout cas, sur les toits. Et on est venu, voilà, travailler très finement ce détail qui nous permettent aussi de créer un jeu de porosité entre l'intérieur et l'extérieur, mais également un jeu de transparence, de protection solaire, en tout cas très intéressant. Et ce qui est assez bien, c'est que finalement, quand on voit le projet avant-après, finalement, voilà, on est venu réinterpréter ce bâtiment en gardant au maximum tout ce qu'il y avait d'existant, et on est venu l'inciser, venu le travailler de manière très ponctuelle pour pouvoir en tout cas l'ouvrir sur la ville, telle que cette image qu'on peut voir ici, que vous connaissez, que vous voyez également, je pense, tous les jours. Mais en tout cas, voilà, où on va arriver en tout cas prochainement un bâtiment finalisé. On peut voir en tout cas cette première partie qui est déjà finalisée et bien visible. Voilà, et notamment à partir
Ça, c'est l'image que j'aime beaucoup. C'est notamment cette partie en dessous, les rooftops, enfin le rooftop. Hein, et normalement, cette partie-là devrait s'ouvrir aux alentours du 9, hein, enfin à partir du 9 juin. Donc, ce sera quelque chose de totalement accessible. Il y aura beaucoup de restaurants qui seront ouverts sur ce toit végétalisé où chacun pourra profiter, en tout cas, de moments très chaleureux après cette période de Covid un peu complexe. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que j'étais assez long. Je suis désolé. Beaucoup de thématiques à développer, mais voilà. Merci beaucoup. C'est encore mieux, je ne sais pas comment faire. J'espère que normalement on m'entend sans écho là. Du coup, merci Nicolas pour toute cette présentation. On va passer à la partie question. Je crois qu'on en a déjà. Non. Est-ce que vous avez des questions aussi? Soyez pas timide. Moi, j'avais une question, mais vous y avez répondu à la fin de la conversation. Mais je voulais quand même une petite précision, c'est que ce que j'ai compris, la vision d'MPRDV, vous m'entendez bien ? Ok. La vision d'MPRDV, c'est une ville qui est très ouverte, les espaces privés et publics qui se confondent. Et je voulais savoir si c'était une conception qui venait de MVRDV en lui-même ou si ce n'était pas quelque chose de culturel. Et comment, quand vous venez l'exporter dans différents pays, vous arrivez à convaincre et à adapter cette vision-là à différentes cultures. Parce que, par exemple, en France, vous nous l'avez bien dit, par exemple, avec cet exemple de bibliothèque ouverte, c'est vous confrontez peut-être à des problématiques où les différentes cultures sont pas aussi, j'espère que je suis claire, sont pas aussi ouvertes à avoir cet entremêlement entre le public et le privé. C'est vrai. C'est une bonne question. C'est vrai, je pense que c'est une question de culture. Alors peut-être, je vais dézoomer un peu, mais si vous allez aux Pays-Bas, par exemple, la question de la limite est très particulière, elle n'est pas du tout traitée de la même manière qu'en France. Parce qu'en fait, là-bas, il y a très peu de couture, voire pas du tout. Ce qui fait la limite entre un trottoir et un jardin d'une maison, par exemple, c'est juste une petite borne béton ou quelques fleurs ou ce type de choses. Et en fin de compte, on se rend compte que rien que là, en fin de compte, les gens ont un véritable respect entre le privé et le public, et les gens ne dépassent pas la limite. C'est quelque chose de très culturel, très ancré. C'est comme aussi quelque chose qui m'a choqué quand j'habitais là-bas, c'est les rez-de-chaussée sont très ouverts. Beaucoup de gens habitent les rez-de-chaussée, les fenêtres sont gigantesques, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Et en fin de compte, quand les gens passent, le grand public passe, les gens ne regardent pas chez les gens. Et donc, du coup, on peut voir que tout de suite, il y a, je dirais pas un choc des cultures, mais effectivement, la vision d'habiter les espaces est totalement différente. Et il est vrai qu'en France, si on ne mettait aucune clôture entre un trottoir et une maison, par exemple, peut-être qu'il y aurait beaucoup de gens qui iraient sur le jardin. Voilà. Et je sais que c'est paradoxalement toujours la demande de nos clients, toujours en disant oui, il faut mettre une barrière, il faut mettre une clôture, sinon les gens vont rentrer dans les îlots, sinon les gens vont rentrer sur les jardins, sinon les gens vont monter dans le bâtiment, etc. Et c'est quelque chose auquel nous sommes en permanence discussion, tel qu'un projet très concret qu'on a également, là, qu'on vient de livrer, qui est un chantier de logement à Bordeaux, où finalement on avait dit avec tout le monde, et même avec les élus, hein, l'aménageur, tout le monde, il n'y aurait pas de clôture.
finalement, il y a une clôture, mais tous les portails devaient être ouverts en journée, entre des horaires, par exemple, 8h du matin jusqu'à 22h. Et finalement, aujourd'hui, la copropriété a demandé de fermer les clôtures de manière perpétuelle. Donc, c'est là où il y a beaucoup de discussions, etc. C'est que c'est véritablement un sujet de culture où les gens ont toujours peur d'ouvrir les espaces. C'est beaucoup de discussions. C'est pas toujours simple, c'est comme dans les centres commerciaux dire à un client, attends, on va ouvrir ton centre commercial sur l'extérieur. À un moment donné, il dit non, mais moi je veux ma boîte fermée, je veux pas que les gens se rendent compte du temps, je veux qu'ils restent à l'intérieur et je veux pas qu'ils s'échappent. Et en fin de compte, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, je pense que les gens évoluent. Petit à petit, on sent qu'aujourd'hui, avoir des centres commerciaux, par exemple, qui s'ouvrent sur la vie, qui ont plein de lumière, ben, c'est quelque chose de plus intéressant. Les gens, aujourd'hui, veulent aussi retrouver ce côté un peu de proximité avec des commerces, etc. Néanmoins, la question de la limite, voilà, la question du privé public est toujours très complexe. Même parfois, quand vous proposez des choses qui vont au-delà, de se dire, voilà, on va essayer d'ouvrir un bâtiment qui doit être censé être très fermé, tel que le Boyman, enfin le dépôt à Rotterdam. Néanmoins, c'est intéressant aussi d'apporter ce côté challenge, qui permet aussi de dire, bah, on vous propose une réponse. Cette réponse, elle n'est peut-être pas, elle n'est pas définitive, mais en tout cas, elle provoque, en tout cas, une ouverture d'esprit, elle provoque une discussion. Et à partir de là, ça nous permet d'aller de l'avant. Et ce qu'on aime beaucoup dans nos projets, c'est ce que je vous disais peut-être en introduction, il y a une petite slide voilà, qui avait une trentaine de projets, quarantaine de projets. Finalement, nous, on n'est pas là pour dire c'est ce projet, point final. Ce qui compte, c'est l'échange entre tout le monde. Et cet échange fabrique à la fin un projet qui sera totalement collectif. Et c'est peut-être un peu ce côté anglo-saxon qui nous permet en tout cas de faire ça. Merci beaucoup, j'ai tout compris. Il y a Lola qui a une question. Est-ce que vous avez déjà utilisé la technique de réemploi quand la réadaptation? Attends. Là où le câble me permet d'aller. Bah oui, c'est peut-être mieux. Je disais, est-ce que vous avez déjà utilisé la technique de réemploi lorsque vous faisiez de la réhabilitation de bâtiments historiques, comme vous disiez tout à l'heure? Alors, le réemploi, alors ça dépend ce qu'on appelle le réemploi, parce qu'il y a différentes choses dans le réemploi. Il y a par exemple ce que je vous présentais tout à l'heure, Frosilo, donc c'est-à-dire que c'est véritablement un bâtiment qu'on est venu, qui était un silo à grains, hein, très clairement, qu'on est venu réinterpréter, changer carrément sa fonction. Et donc, du coup, là, on peut véritablement parler de réemploi. C'est carrément, on change même la fonction. On pourrait même parler de réversibilité ou autre. Ça, c'est très intéressant. Je sais qu'il y a d'autres thématiques voilà, qu'on essaie nous également de développer. Je sais que par exemple, il y a une société en France qui s'appelle Mobius, avec qui j'ai beaucoup d'échanges, qui est très intéressant, parce que finalement, là, on parle peut-être de réemploi, c'est peut-être aussi la question que vous vouliez peut-être rentrer dans ce type de détails, mais il y a la question à un moment donné de finalement, quand vous avez un bâtiment existant, que vous devez peut-être le réhabiliter ou autre, ou changer sa fonction, enfin même garder la même fonction, mais voilà le réhabiliter, parfois il y a beaucoup d'éléments existants qu'on pourrait en fait réemployer, c'est-à-dire des luminaires, des radiateurs, des portes, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a notamment, par exemple, Encore Heureux, architecte à Paris, qui ont fait un bâtiment, le bâtiment circulaire, je crois que c'est en 2015, si je ne me trompe pas, qui ont fait une façade avec des portes. Je sais que là, il y a Mobius, une entreprise, vous regardez sur Internet, c'est assez intéressant. Eux, en fait, ils réinterprètent, ils essayent vraiment de réexploiter les bâtiments dans la totalité. Par exemple, là, ils sont en train de travailler avec Parhabitat, un bailleur social, pour pouvoir réintégrer des luminaires, pour pouvoir y intégrer des garde-corps de cage d'escalier, pour pouvoir y intégrer des radiateurs, des luminaires, qu'est-ce qu'il avait dit d'autre, des portes, mais parfois les problèmes des portes, en fait, c'est qu'il y a différents sujets techniques. Ça, je vais vous expliquer ça par la suite. Je sais qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a différentes sociétés, même comme celle-ci, ou d'autres aussi également en Belgique, où finalement, quand il y a des restructurations de bâtiments, par exemple de bureaux, vous savez, vous avez ces faux planchers en bureau. Voilà, ces faux planchers, vous pouvez réutiliser la matière, vous les démontez,
vous les renettoyez, vous les remettez en ordre, etc. Et vous pouvez les remployer. Et je sais qu'il y a un bâtiment en Ile-de-France pour I4 de mémoire avec BVF Architecte qui a fait un projet de bâtiment, le bureau, je crois, colossal, hein, d'environ 35 000 m2, où je crois qu'il y a plus de 22 000 m2 de faux planchers qui ont été réutilisés. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Donc en fait, c'est possible. Néanmoins, il y a un petit sujet qui est très important et qui est assez complexe à mettre en œuvre. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a des prémices qui avancent, etc. C'est en fait la question, des conformités techniques. Notamment, quand vous construisez un bâtiment, vous devez répondre à des normes. Et à un moment donné, quand vous ne respectez pas la norme, eh bien, à un moment donné, on ne peut pas mettre ce type de matériaux ou ce type d'éléments. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est quand vous mettez une porte de logement, est-ce qu'il date peut-être des années 70, ou puis n'importe quoi, est-ce qu'elle a toujours cette possibilité technique, ce fameux PV qui permet d'être utilisé aujourd'hui? Et donc, parfois, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui travaillent sur ces thématiques-là pour se dire, finalement, comment est-ce qu'on pourrait réemployer des matériaux, des éléments de construction aujourd'hui ou demain, mais à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas modifier ou peut-être adapter les lois pour pouvoir réemployer ces matériaux? Donc, ce sont des questions, en tout cas, qui sont en cours de développement. Néanmoins, beaucoup d'architectes travaillent dessus. Hein. C'est très intéressant. Je sais qu'il y a un architecte, c'est pas plus tard, je discutais avec un architecte avec son Mosca, pas plus tard que c'était en début de semaine, qui me disait qu'à un moment donné, il était en train de réutiliser des portes de logement et il venait en fait les couper, les travailler en tout cas avec un menuisier pour en faire des bureaux pour étudiants. Donc en fin de compte, est-ce que le réemploi c'est pas aussi quelque chose, à un moment donné vous avez un élément et vous le réinterprétez d'une autre manière mais où on change totalement sa fonction? Je pense qu'en fait on peut tout faire, c'est juste à un moment donné trouver le bon chemin par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui travaillent par rapport à ça et je pense que dans les années qui vont venir on aura de plus en plus de solutions qui seront apportées. Néanmoins, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Je pense qu'on a tous un intérêt collectif en tout cas à réutiliser ces matériaux, réutiliser ces éléments déjà présents. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois réemployer les choses, réutiliser les choses, ça coûte parfois plus cher. Et ce n'est pas forcément la vision parfois des maîtres d'ouvrage. Donc, des fois aussi, ça peut être aussi des discussions. Mais néanmoins, je pense que l'échange est déjà très intéressant. Alors peut-être si je peux compléter en attendant une nouvelle question pour je revenir sur la question des réemplois. Alors, l'emploi, c'est par exemple également, vous savez, ce qu'on met à Lyon-Pardieu, en fait, en réutilisant la façade existante. Je sais qu'il y a beaucoup, on a vraiment, en fait, sondé le bâtiment dans sa globalité. L'idée était vraiment de veiller à limiter au maximum, en tout cas, l'impact de ce bâtiment, en tout cas, de le déconstruire au maximum. Ce n'était pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de veiller à garder un maximum d'éléments, que ce soit structurel ou façade. Et donc, du coup, finalement, ce qui était pour nous important, c'était vraiment, si on devait démonter des éléments de façade ou autre, c'était de les stocker, de les garder et de pouvoir également les remployer, en tout cas, sur les façades pour tout. En tout cas, éviter en tout cas d'avoir un impact carbone, en tout cas le plus bas possible. Et donc ça, c'est également intéressant parce que finalement, quand on parle de réemploi, etc., mais à un moment donné, quelle est la vision, à un moment donné, quand on fabrique des bâtiments? Et ce qu'on aime beaucoup aussi dire et faire dans les faits, parce qu'à un moment donné, ce qui est important aussi, ce sont les actes, c'est à un moment donné, en interne, ce qu'on fait, c'est on s'engage quand on a un partenariat avec un client sur un projet, voilà, court terme ou long terme, ça dépend comment le projet se développe, on a un engagement en fait, d'essayer d'être neutre d'un point de vue carbone dans le cadre de nos déplacements. Donc ça, c'est vraiment intégré dans nos projets, dans nos contrats, dans nos études, dans nos propositions de contrat, où finalement, on se dit, on va faire tant de rendez-vous par type de phase d'études, tant de rendez-vous lors des chantiers. Alors, bien sûr, on parle de théorie, mais c'est déjà important. Et on dit au client, on va dépenser tant de carbone. Et à partir de là, ce qui est très intéressant, c'est que finalement,
Au début, ça faisait rire parce qu'on disait oui, on peut parfois comparer les choses à temps d'aller-retour Paris-New York, ou on peut parler en termes de nombre de vaches ou nombre de choses pour donner des choses un peu ludiques. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, on va aller aussi au-delà. Et à un moment donné, tout ce carbone qu'on dépense, on essaye d'être neutre et du coup, on vient compenser au travers de différentes associations auxquelles on a véritablement des engagements contractuels. On vient compenser ce carbone ou on vient planter différentes forêts un peu partout dans le monde parce que c'est pas forcément un endroit donné, comme on traite un peu partout, ça peut être dans différentes associations réparties dans le monde entier, et où l'idée c'est d'avoir un impact carbone à zéro. C'est vraiment une volonté, en tout cas, d'essayer d'aller dans le sens, c'est notre manière à nous, en tout cas, d'essayer d'aller de l'avant par rapport à cette thématique-là, et passer en tout cas un bon message. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est on parle beaucoup de développement durable, etc. Alors, beaucoup de gens disent « Oui, alors moi, je fais un bâtiment, il est bas carbone, il est énergie positive, etc. » Ce sont des choses très bien, véritablement. Néanmoins, si vous regardez un peu plus loin, ou dans une vision peut-être un peu plus large, peut-être regardez, voilà, l'ONU. Alors, nous, on a fait une charte, on respecte les 17 points de l'ONU. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, on n'est pas là… Alors, oui, on est là pour répondre à des contraintes, des virgules, des zéros, etc., en dessous, au-dessus, etc. Mais en fait, on vient prendre quelque chose de beaucoup plus large. Et on vient totalement y intégrer des enjeux sociaux. Et c'est aussi très important quand on vient construire un bâtiment, quand on vient développer un projet urbain, quand en tout cas on a un acte en tout cas, de construction, de développement de projet. Ce qui est très important, c'est essayer de voir un projet dans sa vision générale et de bien l'intégrer. Et alors, ce sont des choses qui sont un peu parfois nouvelles pour pas mal de gens. Mais en tout cas, c'est des discussions qu'on a avec nos clients, les élus, etc., et qu'on essaie en tout cas de développer. Et je pense que si tout on y va de l'avant dans ce sens-là, je pense que voilà, on peut aller très très loin, très très rapidement tous ensemble. Alors, pardon, on est sur deux ordinateurs à la fois, alors ça fait des échos. J'attire votre. Oula. Il y a. En fait, il faut couper le son ici. Voilà, c'est bon. Il y a une question dans le fil de discussion de la classe de Cécile Rialan, qui est donc dans notre école, mais qui est dans une autre classe là actuellement. Et elle a posé la question, hormis le réemploi, mettez-vous en place des actions en valorisant le point de vue écologique ? Une bonne question, effectivement. Bon, je pense que ce sont des choses qui s'assemblent en tout cas petit à petit. Nous, c'est quelque chose qu'on développe véritablement à l'agence, qu'en tout cas on essaie de progresser tous les jours par rapport à ça. Déjà, peut-être l'un des points majeurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est notamment les transports. En fait, l'idée, c'est que nous, en interne, on prend très peu l'avion, voire pas du tout. Bon, ça, c'est déjà l'un des premiers points. Quand on doit prendre l'avion, c'est quelque chose que nous devons justifier. Donc, à partir de là, c'est aussi quelque chose aussi qui est très important, prendre au maximum les transports collectifs. Ensuite, on a d'autres sujets, par exemple, les impressions papier. Si je rentre dans des cas très concrets, en fait, je crois que j'ai jamais aussi peu imprimé de ma vie que depuis que je suis chez InverDV. Même la personne qui nous a fourni l'imprimante se plaint parce qu'on dépense que 150 euros par semestre d'impression de papier, c'est-à-dire 300 euros par an. On est comme dans un studio, on est quand même une quarantaine de personnes, ce qui est rien. Et en fait, on fait tout en 2.0, c'est-à-dire que dès qu'on a des rendez-vous, on fait tout au travers de visio ou au travers de meetings. Ce sont des choses qui sont présentées sur des télévisions. Donc, en fait, on est sur du zéro papier en permanence. Et du coup, je crois que c'est même notre facture, en fait, qui est le meilleur exemple. C'est que finalement, voilà, moins on imprime, moins on pollue. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Et c'est aussi des choses, en tout cas, qui ont pas mal évolué, en tout cas, avec le Covid. Les gens ont appris, en tout cas, à développer ça. Mais néanmoins, je pense que voilà, ce sont des petits gestes de tous les jours. On a également des points tels que voilà, le café, on réutilise, etc.
Voilà, en tout état de cause, on essaie de développer nos points tels qu'on peut. On valorise également les transports en vélo en interne. Donc, ce sont des choses auxquelles on participe auprès de l'équipe, pardon. Pour en tout cas éviter d'utiliser un taxi ou autre. C'est-à-dire, vous venez en tout cas à l'agence au boulot en vélo, c'est quand même plus sympa, surtout de prendre l'air, même de faire un petit peu de sport matin et soir. Donc, c'est plein de petites choses qu'on met comme ça en place. Et ce qui est bien, c'est qu'au final, on essaie aussi même de partager ça avec nos clients. On partage tout ça en fait avec les projets en comparant toujours ce qu'on peut dépenser en carbone ou non quand on développe des projets ou quand on développe des matériaux. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et parallèlement, et pour que je finirai peut-être là-dessus, c'est qu'au final, en interne, on met en place des spécialistes. Ces spécialistes, en fait, sont des choses auxquelles on partage, où chacun peut travailler sur une thématique donnée. Donc, il y a plein de thématiques à l'agence. Alors, ça peut être des solutions Revit, ça peut être des solutions développement durable, ça peut être plein de thématiques. Il y en a, je crois, une trentaine, quarantaine. Où, en fait, chacun des personnes de l'agence donne un petit peu de temps tous les mois, 2, 3, 4 heures. Et notamment, en fait, cette partie-là fait partie aussi des choses auxquelles on doit en tout cas participer, et notamment l'un des derniers actes qu'en fait qu'on essaie de faire entre toutes les agences satellites, c'est de développer des murs végétaux en tout cas en interne dans nos agences, où à un moment donné l'idée c'est peut-être aussi d'y planter des légumes, etc., et d'avoir notre propre aussi petite production, je dirais, de petits fruits et légumes, alors bien sûr à notre échelle bien évidemment, mais en tout cas d'essayer de l'avant et de participer ensemble collectivement à des choses totalement simples telles que planter des graines et entretenir ces plantes. Ça fait tellement plaisir en tout cas d'avoir un peu de végétation dans ces bureaux qu'à un moment donné c'est quand même chouette d'y participer tous ensemble. On a une dernière question, je pense que ce sera en tout cas la dernière. C'est une question d'un étudiant donc de ma section, mais qui est plus porté sur la technique en fait. Tout ce qui est, on imagine bien que vos architectures elles se font grâce au nouveau logiciel et à l'aide de codage, d'architecture générée, etc. Et il se demandait si vous intégriez une dose de hasard dans les scripts, ou est-ce que c'était uniquement une génération qui était entièrement contrôlée? Ah, c'est une très bonne question. Je crois que c'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. C'est une bonne question. C'est vrai que, en fait, comme on dit toujours, en fait, les contraintes font le projet. Donc, il est vrai qu'à partir du moment où vous avez des contraintes, tant par déjà vous-même, je pense que quand on est architecte, on a plein de volonté, on a envie de se donner des contraintes. Et parfois, des fois, c'est peut-être se libérer des contraintes pour offrir d'autres alternatives. Mais ce qui est très intéressant, c'est plus on a de contraintes, plus ça nous permet d'orienter quelque chose. Tant au travers d'un savoir-faire, dans tout cas d'un client, des ingénieurs, des entreprises, etc. Néanmoins, il est toujours intéressant d'essayer parfois de laisser parler les choses peut-être un peu plus naturellement, mais et c'est pas à la créativité. Mais néanmoins, comme je disais tout à l'heure, c'est l'outil numérique est un outil pour nous aider, mais ça ne fabrique pas un projet. Il fait partie de l'étape de processus de fabrication, mais ce n'est pas forcément l'algorithme qui fabrique le projet. L'idée, c'est véritablement, moi je veux dire très sincèrement, un croquis à la main. C'est parfois 10 fois plus parlant qu'un algorithme où en fait on ne comprend rien, si vous voyez ce que je veux dire. Un croquis à la main, parfois quand vous allez sur un chantier, vous discutez avec des gens qui parfois ne parlent pas le français, c'est une réalité. Et parfois vous faites un croquis sur le mur ou sur le sol ou sur un bout de papier et le gars en fait il comprend ce que vous voulez. Et je pense qu'à un moment donné, c'est l'addition de plein de petits détails qui font qu'à un moment donné on a des projets assez incroyables et chaque. En fait, éléments de conception, méthode, en tout cas, participe en tout cas à la qualité d'un projet. Donc, je pense qu'à un moment donné, le numérique nous aide, mais il n'y a pas que ça, véritablement. Néanmoins, il nous aide beaucoup. C'est ce qui avait marqué sur le PowerPoint, c'est la rationalité. La rationalité, et à un moment donné, quand vous allez sur quelque chose d'assez rationnel, ça vous permet aussi de vous exprimer. Et c'est aussi grâce à ces outils qu'on arrive à rationaliser nos projets d'une manière, je ne dirais pas relativement simple, en tout cas de manière peut-être plus rapide, et qui nous permet en tout cas d'aller de l'avant et donner aussi, vous savez, c'est peut-être 5, 10, 15% de folie qui nous permet de se dire, ah, quand même, ce truc, ce bâtiment, quand même.
il est pas mal, il crée un petit espace de vie très intéressant qui permet en tout cas de marquer peut-être la ville. Il faut savoir qu'aussi, à un moment donné, quand on travaille dans une ville, des fois, certaines personnes disent il faut qu'il y ait un gros bâtiment pour que ce soit quelque chose de qui marque en tout cas peut-être une entrée de ville ou qui marque quelque chose. Moi, je pense nous pensons en tout cas qu'à l'inverse, ce n'est pas forcément la taille d'un bâtiment qui fait quelque chose, c'est simplement l'histoire qu'on raconte au travers d'un projet. Et vous pouvez raconter une magnifique histoire au travers d'un tout petit projet, mais qui donne ce peps, qui, à un moment donné, donne un point de repère dans la ville qui peut être très intéressant. Eh ben, merci beaucoup. Ça nous fait une sorte de mot de la fin, un conseil à nous qui sommes encore étudiants. Et je pense que je parle au nom de tous pour vous remercier de cet échange qui est très très riche et de ces projets qui nous donnent une certaine notion de l'ambition qu'on va pouvoir avoir avec toutes ces échelles de bâtiments hyper importants et à la fois qui viennent encourager des architectures qui sont beaucoup plus ouvertes et de flouter cette, comme on en a parlé, cette limite entre le public et le privé. Et vraiment merci. On se retrouvera peut-être l'année prochaine pour faire cette visite de chantier dont on a parlé. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Hélène, merci tout le monde. Effectivement, alors je pense que les visites de chantier, je ne sais pas, en tout cas une grosse partie du bâtiment qui va ouvrir le 9 juin. Donc, si vous voulez profiter d'un rooftop, essayez de réserver quelques tables à partir du 9-10 juin. En tout cas, vous pourrez bien vous amuser, je pense. Et voilà, en tout cas, mille merci pour cette invitation, mille merci pour cet échange. Et puis au plaisir de vous revoir peut-être prochainement. Merci beaucoup. Ciao.